Je m'appelle Caroline Dorion, puis je suis une mère célibataire de 34 ans. Lui, à côté de moi, c'est mon cousin adoré. Un vrai séducteur en série. Fixe ses rendez-vous le vendredi, illusion d'être en couple le samedi et ouvre la possibilité du brunch du dimanche. Je plains les pauvres filles qui font sa rencontre. Quand on va au cinéma, c'est pour aller voir un film léger. Mon point faible, les pages de notre amour et l'été de mes 11 ans. Chaque fois, ça me fait le même effet. C'est tellement beau! Si au moins je gardais toute cette émotion-là pour le bulletin de nouvelles et les drames humains. Mes meilleurs amis me diraient « Il faut que tu te remettes sur le marché. » Ce que ça te prendrait, c'est un week-end de sexe intense. Tu te souviens c'est quoi, une baise? Au cinéma de mon quartier, on offre des rabais aux 25 ans et moins. Puis il arrive parfois, à mon plus grand bonheur, qu'on me demande... T'as-tu moins de 25 ans? Chaque fois, je réponds avec un peu trop d'enthousiasme. Non! Mais je sais pas quelle bulle me passe par le cerveau parce qu'aujourd'hui, je change ma réponse habituelle. Oui? Mon ton était sûrement pas très convaincant. Parce que la jeune fille me demande... Est-ce que je peux voir tes pièces d'identité, s'il te plaît? Houston, we have a problem. Est-ce que j'y donne ma carte en espérant qu'elle regardera pas la date puis qu'elle est vraiment nulle en maths? Pas une bonne idée. Ça serait pousser la honte encore plus loin. Il me reste juste une chose à faire. Dénoncer mon crime. J'ai menti. 14h50. Conclusion. Vaut mieux assumer ses 34 ans plutôt que d'avoir l'air cheap et innocente.